J'ai parlé de lui, hein. Tu viens pas, Gail? Moi, je vois de loin. Hein. Bonjour, Trombus. Le mystique Carcass m'a beaucoup parlé de vous. Mystique Carrion. Oui? You're working for him? Oh no. No, no. I knew he wouldn't let us leave in peace. You don't have to help him. He's the one you should be after, not me. Et pourquoi? You've met him. How can you need more justification than that? He murdered me. Murdered my friends, snatched us right up from the dark side and made us these things. Monsters. Fit for gutting and grinding and desecrating the dead. He constantly abuses us. Makes us do the worst things you can imagine. Alors, there used to be five of us. My friend Talus, he couldn't take it anymore. One day, I saw him drive a coffin nail right through Carrion's skull. Then another, and another. We thought he had done it. Freed us all. Then when dawn came, Talus seized up suddenly like something had got a grip of him. We ran to help, but he just exploded. I got so much blood and pulp in my eyes. When I look back, Carrion was just stood there, completely unharmed. Ouais, en gros, si on le tue, il va se ressusciter dans quelqu'un d'autre. Ah oui. Après, si c'était la partie plus compliquée, c'est plus intéressant, non? Non, je préfère tuer l'autre que lui. Tuer Carcass, c'est plus ça, c'est plus rigolo. Et savez-vous comment Carcass s'y est pris pour revenir à la vie? J'aurais fait un jeu de mains avec lui, mais... I know this is gonna sound strange, but I've been watching him. Trying to figure it out, and I think he's a mummy lord. T'as la réponse du clair, hein. Les seigneurs momies comptent parmi les morts vivants les plus difficiles à détruire. J'espère que vous vous trompez. He as good as told me so himself. After Talus died, Carrion blindfolded me and took me into a strange place. A foul and ancient place. Somewhere the living wouldn't dare to tread. Down there, he showed me a jar. Said it contained the secret to eternal life. And if I behaved, he would share it with me. I think it was his heart. I'm not stupid. I know what he did to my friend. Gods, how I'd love to smash that bastard jar! That's how you kill mummy lords, you know. Ah. C'est ce qu'il avait dit, ça, ou c'est une connerie? Je sais pas. Du coup, je sais plus. Attends, on peut se faire une ignorance pour l'instant. Attendez, passez vite. Vous dites que cette urne lui confère l'immortalité? Don't let yourself be tempted by it. Whatever's in that jar must be destroyed. Je suppose qu'on y est déjà allé, quoi, en fait. Mais... Ah bah si, je sais. C'est le passage par lequel je suis passé quand j'étais petit. J'ai lu plusieurs documents, c'est vrai, et ça a dû être mis dedans. Ah. Du coup... J'ai déjà trouvé son antre, et cette urne dont vous parlez, bah... Il l'a caché dans votre corps. What? His rotten heart was inside of me this whole time.
Get it out. I'll have to get it out. Ok. C'est qui veut ramasser ça? Pas moi, trop loin. Ah non, ça fait pas de malus. Tu vas le manger? Pourquoi c'est Jiku qui l'a ramassé direct? Ouais, Jiku l'a mangé. Et du coup? Il faut le tuer, c'est ça maintenant? Bref, il faut la détruire, non? Nous avons trouvé le cœur, nous devons le détruire si nous voulons le tuer une bonne fois pour toutes. On fait quoi? On va le menacer ou on essaie de la détruire? Bon, non, on essaie de le détruire, mais on le menace, on récupère la récompense et on le détruit. Je sais pas comment on le détruit son cœur. Est-ce qu'on peut pas juste le mettre par terre et le taper dessus? Vol? Possible. Bah pourquoi moi, c'est pas forcément du contendant, hein. Moi je suis à côté de lui, hein. Je suis prêt à me battre. Il a dit quoi ton perso? Je m'attendais pas à ça. Ouais, oh, elle tapasse en fait. J'ai cassé. Ouais. Oh la vache. Et pour info, je suis en combat. Ah, t'étais avec lui? Ah, j'ai pris cher. Ah bon? Ouais, c'est grave. Ah, je peux pas attaquer? Pourquoi? All is ash and meat. Ah, et je suis en train de combat. Ah oui, non mais là, depuis là. Ouais, c'est loin hein. Vache. Ah mais il y a des ennemis entre nous. On arrive dans 2 heures. Ok. On est tous en combat, Gael, quand tu veux. Après, oui, si tu le tues lui, ça se trouve, ça tue tous les autres. C'est pas possible. Je viens de diser mon sort pour rien. Je comprends pas. Oh là là, j'ai utilisé mon sort pour rien. J'ai pas lu. C'est juste bizarre de pas pouvoir l'utiliser. À 20 points de dégâts par tour. Ok. Bon bah c'est gentil de venir vers nous hein. Combien de points ça? À 85 quand même. Regard effroyable. Ah merde, je suis effrayé carrément. Ah bah il fait peur son regard de momie hein. Ça valait le coup de rester à l'intérieur. Je crois que les jets de force ils font le tour du sol. Fais gaffe, y'a un druide au milieu hein. Ouh. Ouah, tout ça pour ça. Ouah, t'es super loin toi. Hein? Jiku il est super loin. Ah bah, Jiku oui. Il est sur l'autre ville là. Je crois que j'ai complètement bugué en plus là. Je sais pas. Pourquoi il se place pas? What the fuck? Ah ouais, bon bah il est super. T'as fait forcer, du coup il se déplace pas?
J'ai lancé le déplacement et il a fait 3 mètres, il s'est arrêté, j'ai dû passer mon tour. Bah il t'est soufflé. C'est parce que t'es entré dans ton tour et que t'as déjà fait du déplacement. Non mais j'étais dans le combat. Par rapport à... T'es rentré, c'est... Ouais... Particulier... Une fois, ça aime pas trop ça. Ils hésitent. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, mais j'ai caché mon sort. Ouais, il te tape pas, hein. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment gâché un de mes gros sorts. C'est chiant. Là, je peux pas. Ouais, là, si j'avais pas gâché mon sort tout à l'heure. Bah, pour l'instant, les momies ne font que te regarder. Hein. Sauf que l'ordinateur, il prend beaucoup de temps à jouer. Pour rien faire, surtout. En fait, on est tellement écarté que c'est pas pris en compte. Ouais, il a du mal à analyser ce qui se passe, toi. Qu'est-ce qu'ils sont ? Oh, okay. On a la strat du dernier boss. Il y en a qui se met à l'autre bout de la salle. C'est quel jeu, quoi. Moi j'y sais, j'y couille. Hein. Mmh. Il a fait 3 pas. C'est ça. Et pourquoi il a fait ça? Il doit préparer un gros sort. Faut pas penser sur lui. Ouais, c'est débile de faire forcer de faire 3 pas. Il va avoir un truc. Il dure ce combat quand même. Il a pris cher. Non, pas taper le druide, pas taper. Non, je peux taper, oui, je peux taper le druide derrière. 8 PV. Je peux plus rien faire, mon perso est totalement bugué. Ah. Du coup, tu fais peur aux autres. Je peux pas bouger, j'ai aucune action, je peux rien faire. Même pas me déplacer. Pourquoi tu t'es écarté? On va embaucher l'entrée pour la suite. Là, le druide il va te taper. Hey, merde. Il a lancé hâte. Ah! Non, j'ai cru que t'avais bougé. Non, je sais pas si t'as ma re-TP, enfin la vidéo par tapé sur Jicouille. Hein. Oh. Good idea. Ah oui, d'accord. I think. Oh, j'ai. Pourquoi tu vas là? Je sais pas. Hein. Je sais pas. C'est technique. D'accord. Ouais, mais là, après, du coup, ils vont jouer en faisant des trucs chelous, quoi. Là, ils vont encore prendre plus de temps. Mais pourquoi il y avait un trou? Il est pas en train de temps. Et ils savent pas parce que j'étais invisible. Oui. Non mais ça bug charmant à cause de moi là. Ouais, on va le finir. Bon, ça t'empêche pas le boss de taper quand même. Hein. Ils font ouais, d'accord, mais bon le boss. Hein. Il a tout cassé.
Allez. Mm-mm. Ah, quoique. Ah. Et puis c'est 30 secondes chacun, quoi. Alors, ça fait bugger même Keto. What? Oh là 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 là. J'ai cru, j'ai vu sur la deuxième caméra. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. J'avais même pas ma souris. Hein. Je sais pas pourquoi il a bougé. Il a fait tout faire. Attends, il avait ça, ensuite il avait ça. Un massacre bien tardif. Ok. On est toujours au combat du coup, mais. Ok. Pas compris. Je pensais que peut-être ça allait être rendu animé, mais non. Oh là là. Ah, ça va être long. Pourquoi le boss il nous a pas aidé là? C'est pas normal, il y a un truc. Est-ce qu'il va revivre? Le français, les gars? C'est un seigneur momie, il est immortel. Attendez. Non, on a détruit son urne. Son urne. Non, on fait des momies là. Attendez, c'est l'anneau qui va se retransformer en lui là. C'est qui? C'est toi? Non, c'est toi? Toi? Attends, on va peut-être. On bouge pas, hein, dans le doute. Ah. Et le lustre? Il t'a rien fait, le lustre. Et le but, Toujours bloqué, j'y couille. Ouais. Terminé, les deux. Petit bus en déplacement. J'ai pas mon coup de dague. Un court repos nécessaire. Ah mince. C'est bon, 11 de dégâts, j'ai trouvé ça. Hein. Pas si vite, mort, les gars. Non, je peux pas. Alors, 11 de dégâts, on est demandé l'accueil. En niveau 3. Niveau 3, ça passe. On a gagné une minute. Waouh. J'arrive. T'es où là? Ah oui, je peux aller au bon endroit moi.
Je me suis trompé de chemin. Et qu'il est con. Et qu'il est con. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah vache. Faire ça. C'est pas ton ça. Voilà. Je peux rajouter ça. Hop, moi je vais faire ça. Non, non, c'est comme tu sors. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le Bobby? Il avait une clé. Deux clés. Ah, il est venu me parler l'autre. Ah, ah c'est une seule. Please take this. I think it's valuable. And I won't need it. Not now Carrion's gone. Ça a quelque chose à voir. Reste. Yeah. D'accord. Alors, du coup. Ah, je suis mort de quoi? Et puis je suis mort, quoi. Bah, viens, me reste. Ouais, j'arrive. Elle bouge. Oh, je suis mort. Non, t'es sûr? J'étais léthargique, donc je pouvais pas bouger, c'est bon. Aider. Non, c'est de quoi? T'as réussi, TG. Tu avais un malu. Ah ouais, c'est la malédiction. Ouais. Du coup, c'est ce qu'il avait à vendre en fait. Ouais. Oui, il a repris la poste. Oh. C'est quoi la note que t'as eu? Ah, je vais pas regarder. Non, je parle de ce qui... Agneau des seigneurs des cryptes. Création de morts vivants. Sort nécromancier niveau 6. Pour ramener un cadavre à un semblant de vie sous la forme d'une momie combattant recrutée. Je parle de révocation. Ok. Et l'anneau, c'est ça que tu expliquais du coup? Oui. Ah, j'ai pas écouté. Il ramène des morts à la vie pour qu'ils combattent avec nous. Oui. C'est un sort nécrotique de niveau 6. Hein. Oui, c'est pour ça que ça peut être intéressant si pour ceux qui ont des bacs pas intéressantes. Tac. Tu veux utiliser Jiku du coup? Non, celui qui veut, il le prend. Oh, si personne l'utilise, je veux bien. Bon, si tu veux. Oui, vas-y. J'utilise pas les sorts de mes bagues, pas très intéressant, mais pour les invocations, je pense que ça sera intéressant. Une fois par long repos, j'imagine, par contre. Tu l'as, merci. Une fois chaque long repos, oui, ça me paraissait évident, du coup. Oh, j'ai une torche qui fait du vert. Un peu. Tac. Tac. Et tac. Ok, bon, un petit sort sympathique. L'invocation, comme ça on sera deux à invoquer des trucs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, oui. Bon bah du coup, molle. bon. Ouais. C'est raté. Bah du coup, retour, dodo, et puis sauvegarde, et puis... Ah. Refusé. En même temps, je fais échappe pour quitter le... l'inventaire. Refusé. Vidéo. Ah. J'ai couille. Quoi? Mais vidéo. Comment? Hein? Ah. Je vais prendre un. Ah, il sort. Tac, sauvegarde automatique, je crois qu'il y a une vraie sauvegarde. Oh. Eh bah c'est good. N'oubliez cool, pas de qu'on coup, a... On a deux verres à utiliser. De verre. Ouais, les larves. Ah okay. Bah, je sais pas, du coup, quelqu'un était intéressé par quelque chose? Pas trop regarder, moi. Non, je sais pas trop ce qui...
reste. Moi non, c'est bon. Ah, peut-être action gratuite. Ouais, l'action gratuite, ouais. C'est ce que je me dis, c'est peut-être intéressant du coup. Pour faire des combos de sorts. Vous pouvez découvrir. Attends, du coup, il avait pas besoin de deux à un moment pour avoir un sort il les a oh pris, non, mais c'est bon. Ah Prenez. Ah, bah si t'as besoin, vas-y. Hein. Non, je vais pas regarder en vrai. J'avais déjà pris mes trucs il y a quelques temps. Là. De toute façon, on est à peu près even, non? Ouais, ah bah, de toute façon, c'est la prochaine fois, c'est fini. Hein. Hop. C'est rangé où, du coup, là? Action gratuite. Ouais, ça s'appelle bordel, c'est sûr. Ça s'enclenche juste comme ça, une action, non? Tout... Ah, tout court, repos, c'est bien, ça. Ah non, c'est vous qui y est. Non, ça s'enclenche comment? C'est une action. Pourquoi c'est une action? Je comprends pas. Une action, ouais. Enfin, en fait, c'est pas vraiment une action, ça te consomme rien. Mais faut que tu l'actives. Et comment... pour dire, c'est maintenant que je veux utiliser mon gratuit. Quoi. En fait, quand t'appuies dessus, ouais. Ça te met les sorts d'action, en fait, que tu peux et puis comment pour l'activer, utiliser. T'appuies dessus. Test. Je le vois pas, en fait. En fait, c'est un trait passif à activer, donc tu l'as peut-être pas dans ta barre, mais faut que tu ailles le chercher. Si je vais le chercher. Liste de sorts. Aptitude passive, elle est là. Mais c'est pas un bouton. Mais elle est pas dans ta petite barre en haut avec les passifs. Pour tout ça? Non. Non, ça c'est mes vues habituelles. Ok, bon. Mais j'ai la même chose non, avec mais moi, moi je l'ai glissé dans mes sorts. Oh putain. Non, plein d'autres trucs. Bah oui, parce que j'en ai un deuxième que j'arrive pas à faire fonctionner parce que j'ai aussi celui de mon bâton qui m'autorise une fois par tous les longs repos à utiliser un sort gratuit. Il y a 200 gratuits maintenant. Oui. Ouais. Ok. Ouais, c'est... Je me souviens d'un petit coup là, pour ouais. Sinon tu vas oublier. Pour le boss de fin, c'est bien. Ouais, mais comme il va avoir 900 points de vie. Voilà, et quand je pourrais attaquer 3-4 fois, ça sera bien.